Bienvenue au ski show. Salut Boris, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Bon, bienvenue au ski show. Cette semaine au ski show, très simple, nous allons parler des bottes. Donc tout ce qui englobe les bottes, comment les ajuster, comment fonctionnent les bottes, on va tout vous expliquer ça cette semaine. Boris, qu'est-ce que tu tiens en ce moment dans tes mains là? En ce moment, je tiens la botte d'Étienne, qui est l'élément, on pourrait dire, l'élément le plus important du ski, l'équipement le plus important. Donc sans bottes, on peut pas faire de ski. Exactement. Boris, tout bon skieur va avoir une botte bien ajustée, confortable et avec un flex qui va être adéquat au skieur. Chaque pied est unique, que ce soit en longueur ou en largeur, ils sont tous différents. Donc, il est important de choisir une botte qui est adéquate à son pied et très confortable. Exactement. Dans une marque, par exemple, plusieurs modèles différents, donc avec des largeurs différentes, et après ça, on choisit la longueur pour être très confortable. Tu sais, une journée complète en ski avec une botte qui n'est pas confortable, la journée peut être longue, puis le sport devient désagréable, nos virages deviennent moins le fun. Eux, ils l'ont. Des fans. Mais Étienne, qu'est-ce que tu fais? En ce moment, je suis en train d'ajuster le degré de ma botte chauffante. On le sait, les hivers québécois sont très froids. Donc, si vous êtes frileux comme moi, je vous conseille de vous acheter soit une batterie chauffante, des hot shots ou des bas chauffants. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus chaud au pied, de vous garder sur la neige le plus longtemps possible pour profiter de vos virages et du paysage. Là, Étienne, je ne sais jamais si je devrais plus serrer mes bottes ou les délousser. C'est quoi le meilleur? Bon, là, ça, c'est très simple. Plus on serre une botte serrée, plus on va avoir une rapidité de réaction dans la piste. Donc, dès que je vais engager mon ski, il va répondre immédiatement. Si j'attache mes bottes vraiment pas serrées, oui, ça va paraître plus confortable, mais j'aurai aucune agilité, par exemple. Le but, c'est d'avoir le juste milieu. Par exemple, toi, Boris, en ce moment, quand tu es dans les chaises, on déclippe les bottes pour avoir de la circulation, pour pouvoir se réchauffer un petit peu les pieds. Quand on arrive en haut de la piste, On les attache serrés, comme ça on réussit à avoir des virages qui sont d'une très bonne qualité et une réaction qui va être ultra rapide. Cette semaine, au truc de la semaine, déclippez vos skis avant de mettre vos bottes. Maintenant, Boris, je t'invite à essayer tes fixations. Et voilà. Ça va vraiment mieux. Ça fait plaisir, Boris. Merci, Étienne. Mais bon accueil. Boris, on le sait, marcher en bottes de ski, c'est une science. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Donc, la technique pour marcher en bottes de ski, c'est d'y aller avec le talon en premier et finir avec la pointe. Si vous y allez avec la pointe en premier, ça va être difficile. Vous voyez, Étienne allait avec les pointes en premier et voilà le résultat. Par contre, si vous avez vos bottes complètement détachées, vous allez avoir quelques petits problèmes. Bon, maintenant les marches. Comment bien descendre les marches? Très important, deux étapes très simples. Premièrement, on peut me suivre ici. On se prend toujours un appui, que ce soit une rampe ou un ami qui est très habitué. Ensuite, on place nos bottes, on se donne un angle vers la rampe. Et on descend une marche à la fois. Une marche à la fois. Faire attention, toujours rester bien centré. Quand vous êtes bon ou habitué, en fait, devrais-je dire, vous pouvez enchaîner les marches. Donc, une à la suite de l'autre, tout en gardant notre appui. Très important. Très important. Ou sinon, on peut utiliser la voie rapide. Si vous n'utilisez pas ces étapes-là, voici à quoi vous allez ressembler. Pas pro. Comme on peut le voir ici sur ma botte, on a les clips, on a la power strap ici qu'on appelle, qui sert en fait à ajuster la botte. Donc plus serré ou moins serré, dépendamment de si on est dans les chaises à vouloir se réchauffer ou dans la piste à vouloir avoir beaucoup d'agilité. D'autres composantes qu'on peut retrouver dans la botte, premièrement la semelle qui va être ajustée à votre pied. On vous conseille de vous acheter une semelle en plus pour avoir un certain confort et puis pouvoir épouser toutes les formes de votre pied. Le chausson, c'est l'isolant de la botte. Donc, c'est lui qui va faire en sorte que la botte soit chaude
ou pas. En conclusion, Étienne, il est important de ne pas négliger notre botte de ski, car c'est un élément clé pour avoir du fun. T'as raison, Boris. Sur ça, on vous dit bonne semaine et bon virage.